Bonjour à tout le monde, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien, alhamdoulilah. Donc, ça sera un direct un peu spécial aujourd'hui. Et je compte sur vous pour les partages. Inch'Allah, parce que vous avez certainement vu cette vidéo, mais je pense que les gens n'ont pas cru, quoi. C'est une famille qui a la cimenterie. Qui a besoin d'aide, des bonnes volontés du gouvernement et tout, qui a un message à passer. Donc, essayez de partager la vidéo, s'il vous plaît. C'est pas pour moi, hein. C'est pour eux, c'est pour Allah. Voilà. C'est purement social, ça. Alaykoum salam wa rahmatoullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous bien. Donc, essayez de partager la vidéo, s'il vous plaît. Je vais mettre. Vous allez écouter ce qu'ils vont dire. C'est la famille Ba de la cimenterie. Il y a deux malades, deux grands malades. Un qui a une maladie mentale. Je pense que la dame a une autre forme de maladie. Vous allez voir les images. Les images ne sont pas de très très bonne qualité. Je suis désolée. J'ai les preuves parce que j'ai envoyé moi-même quelqu'un dans la famille, en fait. Donc, il ne faut pas avoir de doute. Il y aura leur Orange Money dans le titre, et puis aussi sur la vidéo, quoi. Donc, je compte sur vous, sur les bonnes volontés. Nous allons essayer de voir déjà la vidéo, Inch'Allah. Et excusez-moi pour la qualité parce que je n'ai pas trop le choix. Je fais au mieux, hein. Je vais me débrouiller comme je peux. C'est pas évident. Excusez-moi. Omar Bello, bonjour. Comment tu vas? J'espère que ça va. Ça va beaucoup mieux. Est-ce que tu peux nous expliquer à propos de ta maladie là? Je pense que ton papa il est décédé. Depuis qu'il est décédé, ça fait combien de temps? 7 ans. Depuis que ton papa est décédé. Qu'est-ce que tu demandes maintenant pour les bonnes volontés de l'État ou de toutes personnes qui ont de bonnes volontés? Ok. Est-ce que tu as un message pour le gouvernement précisément ou notre président Il n'y a pas quoi manger, il n'y a rien. Il n'y a pas de traite. Ok, mes frères et sœurs, vous voyez, on va continuer la vidéo. Lui, c'est son frère. Lui, il est attaché, ça fait plus de 8 ans. Lui, il a une maladie mentale. Le deuxième, là, ce sont les mêmes mères, même père. Même mère, même père. Donc, on demande de bonnes volontés. Merci.
Ok. Ben, vous avez vu la vidéo. Je suis désolée, hein. C'est pas trop dans nos habitudes. Mais bon, c'est comme ça. Essayez de partager la vidéo. Essayez de la partager dans plusieurs groupes comme vous pouvez. Vous n'êtes pas nombreux ici. Vous partagez avec vos amis dans les WhatsApp, dans les Messenger et vous-même aussi. Pouvez apporter votre aide parce qu'il demande de l'aide à tout le monde, à tous ceux qui peuvent. Leur Orange Money est là. Et puis à l'État, au colonel Mamadi Doumbouya, et puis au premier ministre aussi, il demande de l'aide. Normalement, il doit y avoir des institutions en place pour s'occuper de ce genre de personnes. Normalement, dans les pays. D'ordre social et tout, mais bon, malheureusement, je sais pas qui doit s'occuper de ça. Quelles sont les institutions qui s'occupent de ça? Si vous n'avez pas bien vu, c'est une vidéo pas pour les âmes sensibles, c'est un peu choquant, c'est un peu embêtant, c'est très très triste. Vous pouvez revenir au début pour essayer de voir la vidéo. Je vais essayer de mettre cette vidéo sur ma page quand je le peux, Inch'Allah. Et je compte sur vous, sur toutes les bonnes volontés, ceux qui sont un peu partout dans le monde. Ça va directement chez eux. C'est leur Orange Money dans le titre. Et c'est leur Orange Money sur la vidéo. Je ne sais pas si vous avez bien visionné. Si vous n'avez pas bien vu dans la vidéo, vous pouvez regarder dans le titre. Donc, ça va directement chez eux là-bas. Ce n'est pas moi ou quelqu'un d'autre. C'est eux-mêmes. Parce que celui qui m'a contacté, je pense il y a une semaine à peu près, je n'ai pas pu visionner la vidéo. Je vous dis la vérité sincèrement. C'était vraiment un peu choquant et tout, un peu embêtant. Donc finalement ce matin là nous avons regardé la vidéo. Elle n'est pas très longue, elle fait pas 3 minutes. Donc quand la personne m'a contacté, la personne m'a dit qu'ils ont déjà fait sur une autre page ou d'autres pages. Ça n'a pas beaucoup marché. Ça n'a pas beaucoup marché, c'est-à-dire, ils ont fait un direct de 10 000 vues. Et sur les 10 000 vues, selon ce qu'il m'a dit, ils ont eu dans les 2 millions et quelques. Voilà, quand je vous dis que ce n'est pas forcément les vues, tandis qu'une seule personne peut donner 2 millions et quelques, excusez-moi du terme, quand c'est pour donner dans les boîtes de nuit, les boîtes de champagne, au griot et tout, les gens donnent plus que cela. Ça, c'est du social. Ça, c'est du social, c'est humain. Les Occidentaux, c'est ce qu'ils ont mis en place. Ils ont mis des trucs en place pour ça. Voilà, tout ce que vous voyez aujourd'hui, c'est né comme ça. ACR, aide action, action pour, contre la faim, programme alimentaire mondial. Tout est né comme ça. Eux, ils ont institutionnalisé, ils se sont inspirés de l'islam et ils ont institutionnalisé les choses. Donc, un 10 euros... À partir de 10 euros, comme nous les Français là, nous sommes un peu radins, vous comprenez ce que je veux dire. Même si tous les mois vous vous dites, moi j'ai un budget de 10 euros aujourd'hui, de 10 euros par mois, je sillonne Facebook, là où il y a les SOS de ce genre là, je mets mon argent dedans. C'est une bonne œuvre, c'est recommandé, c'est humain. Voilà. Maintenant les religieux aussi, je reviens sur vous encore. Vous n'allez jamais aller dans une famille comme ça pour aller prier là-bas. Vous n'allez jamais partir dans une famille comme ça, former une délégation tous les mois, amener 5 kilos de sucre, un sac de riz, cotiser pour eux. Vous n'allez jamais le faire. Parce qu'en partant de là-bas, eux là, ils ne peuvent pas vous donner de l'argent. Et ceux aussi qui donnent, eux aussi, ce n'est pas des griots, ce n'est pas des guiguets, ce n'est pas des boîtes de nuit. Ils ne vont pas vous donner le nom. Donc les gens donnent par rapport au nom. Voilà, quand vous allez donner ici, peut-être moi je vais essayer de les contacter pour demander est-ce que ça marche un peu, est-ce que ce qu'on a fait, ça a donné, est-ce qu'on vous avez reçu beaucoup d'aide, peut-être à la rigueur pour dire ici que ah, ils ont eu à peu près telle somme. Voilà, nous on aime se montrer, nous les Africains en général, on aime les grosses choses qui n'apportent rien à personne, à rien du tout sauf le nom, tandis que nous savons que nous sommes les plus pauvres.
Que le sous-sol soit riche ou pas, ça, là n'est pas la question. Nous-mêmes, nous sommes pauvres. Mais nous voulons faire croire qu'on a tout, qu'on est tout. Voilà des situations comme ça qui se passent dans un pays comme la Guinée. Certainement, l'État n'est même pas au courant. Quand c'est un État bien organisé, ça, c'est des familles à répertorier. Leur frère là qui parle, qui est en train de parler, qui est en train d'expliquer en français, il parle un peu, c'est un peu bas. Mais il faut essayer d'augmenter votre volume et pour essayer de comprendre. C'est à la base la vidéo qui est comme ça. Lui, il doit être là pour s'occuper de ses frères et sœurs. Donc, l'État doit les aider. C'est comme ça, un peu partout. Parce qu'ils sont victimes d'un grand handicap. Voilà. Mental. Et l'autre, elle est couchée. Vous voyez comment elle est couchée à même le sol. La première personne qui m'a contactée au début m'a dit aujourd'hui qu'ils ont eu un matelas, une bonne volonté, acheter un matelas. Donc, c'est une très, très bonne chose. Ils ont reçu ça là-bas. Maintenant, comme la première vidéo, je vous explique comme tout s'est passé. La première vidéo était en boulard. Moi, je ne comprenais pas. Je n'ai même pas regardé de toute façon. J'ai envoyé à quelqu'un qui comprend bien boulard, qui m'a expliqué, qui m'a dit de regarder. J'ai dit, ah, on a négocié longtemps. C'est aujourd'hui que nous, on a regardé finalement. Parce qu'ils nous ont dit que, mais vous ne pouvez pas faire passer une vidéo que vous ne regardez pas. Et c'est ce côté-là qui a fait retarder la vidéo-là, pour le fait de regarder. Et moi, ce qui m'a choqué le plus, c'est celui qui a la maladie mentale qui m'a encore plus choqué. Voilà. Donc, finalement, j'ai dit à celui qui m'a traduit, qui m'a interprété et tout, d'essayer d'aller voir la famille, parce qu'il faut que je vous explique tout. J'ai donné le numéro, il a appelé, il me dit que la famille est à la cimenterie. Nous, de notre côté aussi, mon mari aussi a envoyé quelqu'un. La personne dit que oui, cette famille existe, on l'est. Tout le monde les connaît, ils ne sont pas cachés. Ils sont un peu, ils sortent un peu de l'ordinaire, ils sont là-bas. Ok, c'est bon. Le monsieur est parti. J'ai dit, je préfère que ce soit une vidéo en français quand même. C'est ce qu'ils ont fait. Voilà, j'ai dit, même si c'est 3 minutes, même si c'est 5 minutes, pour que les gens puissent avoir la preuve qu'ils existent. La première personne qui avait fait passer la vidéo, le premier contact m'a parlé de lui. J'ai dit, mais c'est quelqu'un que je connais. Je l'ai contacté par vocal, on a un peu discuté, on n'a même pas trop retardé dessus. Il m'a dit, oui, on a fait un truc, mais ça n'a pas trop marché parce que les gens ne croient même pas. Oui, les gens ne croient pas parce que c'est dans la même famille qu'il y a deux handicapés lourds de cette manière. On n'y croit pas. C'est là que tu vois Dieu, comment il peut, Allah, comment il peut être gentil avec nous. Nous, nous sommes en bonne santé. Mashallah, ceux qui sont en bonne santé, vous voyez ceux-là aujourd'hui, ils sont à même le sol. Non seulement ils sont à même le sol, mais ils sont malades. Il a deux malades. Rahim Touré en a dit, Abdulba, comment ça va? Mariam, comment vas-tu? J'espère que vous allez tous bien. Là, il a deux malades sous les bras. Voilà, et ils ont d'autres soucis hein, que eux-mêmes, ils vont vous expliquer quand vous allez peut-être les appeler ou faire des Orange Money à partir de 10 euros pour la France. Ça, c'est moi qui dis ça hein, parce que je les connais. Et si vous êtes entre 1000 et 5000 personnes qui vont regarder cette vidéo, là, vous êtes 235. Merci, merci à vous tous. Merci à vous tous. Essayez de partager la vidéo, s'il vous plaît, dans les messengers, dans les WhatsApp, dans les IMO, un peu partout, parce que peut-être qu'une seule personne peut régler tous leurs problèmes, Inch'Allah, on ne sait jamais. Et si le colonel tombe dessus, si le, comment il s'appelle, le premier ministre tombe dessus, pourquoi pas, on ne sait pas comment ils sont. Je sais que le colonel, il est très très généreux. Je profite là, si quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, me regarde. Il y a des familles de Forécaria qui l'aidaient beaucoup pour la scolarité et pour les trucs, des petites choses avec Orange Money. Donc, c'est quelqu'un qui est généreux à la base avant qu'il ne soit président. C'est son destin. C'est Allah qui l'a voulu ainsi. On n'y peut rien. Et puis, c'est comme ça. On va rester derrière. Donc, c'est ça. Donc, si le premier ministre aussi, je ne le connais pas trop, je ne connais pas trop le renseignement sur lui, s'il est généreux ou pas. Toute cette générosité, c'est très, très bien. Mais il faut institutionnaliser les choses. C'est ça. Il faut institutionnaliser les je ne sais pas c'est quel domaine qui s'occupe de ça. Il faut institutionnaliser parce que c'est bien beau d'aller les rendre visite, de les envoyer 100 millions en Orange Money ou 200 millions, tout ça c'est bien. Mais si c'est institutionnalisé, les familles sont répertoriées, on les aide avec un minimum. Ça c'est leur droit et ils sont à la cimenterie. Il ne faut pas oublier, je n'ai pas dit que c'est ça. Hein. La pollution qui est dans l'environnement de la cimenterie, Allah seul le sait. Kariatou Sherifa Nadigo,
Fatim Diallo, comment tu vas, ma chérie? Vous voyez? Donc, dans cette zone-là, avec la pollution aussi qui tombe sur eux, ça aussi, c'est un autre problème. Fatima Binta, comment tu vas? Ça aussi, c'est un autre problème. Donc, même les usines-là doivent dédommager les environs-là. Mais tu vas voir que les gens qui travaillent dans les usines sont au courant que les gens-là sont là. Mais ceux-là sont même... Amina, Ibrahim Souri. Ceux-là sont accouchés à même le sol. C'est nous les Africains, c'est nous seuls qui pouvons faire ça. Nous seuls. C'est-à-dire, moi je ne comprends pas. Tiens, bon, enfin, bref, vous avez compris ce que je veux dire. Donc je compte sur vous. Salut à tout le monde, salut Abdoulaye. Je compte sur vous pour les partages. Voilà, essayez de partager au maximum. Ce n'est pas politique. Donc on ne va rien vous faire par rapport à cela. Vous allez le faire. Roi Abdallah dit que, mais vous ne lisez pas pour moi. Je ne peux pas lire tout. Quand je parle, ça passe vite. C'est ce que vous ne comprenez pas. Ça passe vite. Je me concentre sur ce que je dis. Et à un moment donné, mon œil tombe sur un truc. Un nom, je lis ça. Je ne peux pas tout lire. Voilà. Merci beaucoup. Hier, je vous avais dit que le jeûne des 3 jours lunaires, c'est-à-dire 13e, 14e et 15e jour, commence vendredi normalement, Inch'Allah, vendredi selon les calendriers. Si votre calendrier commence samedi, pourquoi pas? Si ça commence jeudi, pourquoi pas? Mais si ça commence vendredi, chez moi, ça commence vendredi, Inch'Allah. Si ça commence vendredi, c'est l'idéal de faire jeudi, c'est-à-dire demain. Oui, demain c'est jeudi. Tu fais jeudi, le jeudi habituel qu'on fait, c'est-à-dire les lundis et les jeudis. Tu fais jeudi, tu fais vendredi, tu fais samedi, tu fais dimanche. Ça te fait les 3 jours lunaires et ça te fait... Lamasto, il faut partager la vidéo pour le dimo. Merci beaucoup. Et ça te fait 4 jours. C'est exceptionnel, c'est extraordinaire. C'est très rare que ça se suit de cette manière. Les yétéba, c'est pour vous. Les soumala qui n'aiment pas jeûner. Les camarades, eux, je les tolère parce que bon, il faut faire attention, il y a un camarade qui est là. Donc, il faut jeûner les 4 jours, là, Inch'Allah. Si Allah vous donne la force de le faire, vous le faites. Les paresseux, vous pouvez faire jeudi et vous vous débrouillez pour faire un jour parmi les 3 jours, là. Parce que les 3 jours, là, c'est l'équivalent d'un an de jeûne. Donc, si vous, au lieu de faire 3 jours, vous faites un seul jour, il faut diviser un mois par 3, ça sera l'équivalent. Mais c'est mieux quand même de pouvoir faire les 4 jours. Voilà, et de faire les bonnes prières pour toute l'humanité, pour l'islam. Le meilleur des doigts que Allah va accepter et qu'il va faire attention à nous, c'est quand on lui demande qu'il fasse en sorte que l'islam triomphe. Je pense que ça, il ne va pas refuser d'accepter cela. Et surtout, les femmes, n'ayez pas peur parce que vous, oh, si l'islam triomphe, oh là là là, je ne vais plus mettre ma perruque. La perruque, elle est sale et c'est interdit. Oh, si l'islam triomphe, je ne vais plus me mettre les sexy. Posez-vous les questions depuis que vous mettez les sexy, depuis que le monde est monde. Vous êtes heureuse? Non. Vous changez d'homme en homme. Donc, stabilisez-vous. Essayez de changer de look. Peut-être que c'est le look qui déconne. Peut-être que c'est trop extravagant. Peut-être que c'est trop sophistiqué. Peut-être qu'à partir de cela, les chayatines viennent profiter de vous la nuit. Il faut voir tous ces facteurs. Quand tu fais un truc, à chaque fois la même chose, tu essaies de changer la chose pour voir que peut-être c'est cela le défaut. Donc, Allah nous aime, il aime les femmes. Mais est-ce que les femmes l'aiment? On dirait que non. Et vous vous intéressez à l'islam, vous essayez d'acheter un Coran en français ou en anglais, la langue que vous pouvez lire correctement. Vous vous mettez en état de prière, c'est-à-dire ablution propre. Moi, c'est comme ça que je fais. Vous lisez le Coran comme vous lisez un roman pour essayer de comprendre ce qui est écrit. De vous adapter, il y a une sourate des femmes, vous la lisez, c'est quoi votre droit au devoir, vous lisez tout le Coran, si ça finit, vous pouvez recommencer pour votre compréhension personnelle, parce que les hommes non plus ne veulent pas qu'on comprenne ce que l'islam dit de nous, ils ne veulent pas qu'on comprenne nos droits et nos devoirs, pour bien nous enfoncer, depuis que l'humanité est l'humanité, ils nous enfoncent, parce que nous ne connaissons pas nos droits et nos devoirs, parce que nous on aime la liberté, on pense que quand sans islam, on n'est pas libre. Quand tu connais tes droits et devoirs, tu es libre comme moi là. Je vous l'ai dit, moi ça ne vient pas d'un homme, ça vient de moi. Donc, je comprends les hommes qui sont dans cette situation, comment ils souffrent. Oui, parce que
Je ne dis rien. Vous avez compris ce que je vais dire, non? Je l'ai déjà dit plusieurs fois ici. Je ne vais pas le dire dans toutes les vidéos. Donc, il faut comprendre que nous amenons beaucoup de chayatines dans la vie de nos hommes, dans la vie de nos frères, et ça fatigue leurs âmes. C'est pourquoi, quelquefois, ils s'acharnent, ils ne savent pas comment expliquer parce qu'ils ne comprennent pas le phénomène. Tout ce que vous faites rentrer là, eh, vernis, ce n'est pas bon. Parce que les albutions, l'eau ne touche pas ton doigt, l'eau ne touche pas ça. Il y a une couche qui couvre ça. Encore pire, il faut couper les ongles au bout de 40 jours. C'est-à-dire, dans l'espace de 40 jours, il faut le couper, il faut ne pas que ce soit long. Maintenant, vous ne coupez pas, vous rajoutez des faux ongles. Vous-même, vous dites faux. C'est-à-dire, Iblis foutez-moi, il foutez-moi. Iblis te fiche de vous. Vous vous fichiez vous-même de vous-même. Parce que Iblis même dit que c'est faux. Faux ongles. Faux cils. C'est accompagné. Faux. C'est faux. On t'a donné des cils. Si c'est long, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu. Si ce n'est pas long, vous voyez, même quand vous parlez de religion ou de bonnes choses, il y a des maudits d'Allah et des maudits d'Iblis qui viennent écrire des sottises. Comme Solo Keta. L'impoli là, je te bloque. Au revoir, merci. Vous voyez, donc, peut-être que sa soeur, ses soeurs se décapent. Ses soeurs étaient noires comme le charbon, maintenant elles sont devenues blanches. Donc, il n'est pas content de ce que je dis là. Parce que je ne vois pas ce que je dis de mal ici, qui puisse lui le déranger. S'il n'a pas de produit ça dans sa famille, ou bien peut-être sa femme aussi est produit ça, ou bien sa soeur est produit ça. Donc, si Allah t'a rendu noir, c'est parce qu'il sait que c'est ce qui est bien pour toi. Si t'a rendu, il n'a pas de cils. C'est parce qu'il sait que tes yeux sans cils, là, c'est bon. Si ton nez est épaté, ce n'est pas la peine de faire les maquillages de sorcière pour que ton nez soit droit. Il a voulu, merci Michael Schofield, il a voulu que Marie Sissoko ait un nez droit, des petites lèvres bien dessinées et des dents superposées et des beaux petits yeux, bien pétillants. C'est ce qu'il a voulu pour moi. C'est ce que je prends, je lui dis merci. Je ne vais rien rajouter de faux sur ça parce que c'est un masque. Le masque va tomber. Ça, c'est les messages des chayatines. Donc, mes soeurs, sortez de là. Ne vous dites pas que, avec mon yilbab, je ne serai pas heureuse. Marie Sissoko est heureuse avec son yilbab. Elle est à l'aise, vous avez vu. Donc, il faut que vous montrez une autre image de l'islam. Il ne faut pas que ce soit dans la tête des gens. Ici, à Gaye Kamara, il ne faut pas que ce soit dans la tête des gens que ce sont les maris qui imposent. Il faut que ça parte dans l'autre sens. Nous voulons imposer à nos hommes qu'ils soient sunnah. Et telle personne a divorcé avec son homme parce que son mari ne veut pas être sunna. Et alors, vous savez quelle bénédiction tu auras dans ça. Ton mari ne veut pas être sunna, tu le quittes, tu vas chez un autre qui sera sunna ou un autre que tu vas fabriquer en sunna. Et vice versa. Il ne faut pas que nous, les femmes, nous soyons dans cette catégorie. Ah, mon nez est très droit, très très joli. Yaya. Mon nez joli, vous voyez, je n'ai pas besoin de faire les trucs de maquillage là qui rendent le nez joli. Après, madame enlève le maquillage la journée. Ah, le matin, tu vas la prendre en boîte de nuit. Que les non, non, non. Surtout les mariages, c'est la catastrophe. Elle enlève le maquillage, tu la prends en boîte de nuit. Toutes les nuits, nouveau homme. Tu l'amènes, le lendemain matin, elle enlève le maquillage, nez épaté. Lèvres comme ça. Tandis que les lèvres étaient bien dessinées. Et tout, et tout. Vous voyez, après, le corps aussi, tâche, vergeture, et subhanallah. Hein, vous avez vu nos cadeaux empoisonnés. Iblis, il est comme ça, tromperie sur la marchandise. Je sais que vous n'aimez pas ça, mais je ne suis pas là pour vous faire plaisir. Donc, n'oubliez pas la famille Ba, s'il vous plaît, de la cimenterie. Gaga, tu n'as pas regardé la vidéo au début. Je sais que tu es très, très généreuse. Un petit 10 euros, pourquoi pas, en Orange Money, ça va les aider. Il faut regarder le début de la vidéo. Ce n'est pas un faux truc, c'est une vraie chose. Pardon. Quelqu'un est parti vérifier. Il ne faut pas se dire que non, ce sont des gens qui veulent avoir de l'argent derrière eux. Non, 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 ce n'est pas ça. Hein. C'est une famille qui est là. Vous pouvez mener votre enquête aussi. La cimenterie ou là-bas. Il a rajouté un truc, c'est dans la vidéo. Donc, je vous remercie pour les commentaires et pour les partages. Et à bientôt, Inch'Allah. Les filles, assumez-vous, acceptez-vous. Comme Allah, il vous a créé comme ça, il fera ce que vous voulez. Iblis, c'est un menteur. Il va vous tromper. Il va vous tromper. Les fesses refaites, les seins refaits. Tout ça, là, vous êtes en train de faire passer les messages d'Iblis.
c'est une insulte à l'humanité. Ça, c'est astaghfirullah, astaghfirullah, ça ne se dit pas. C'est ridiculiser le boulot d'Allah, ce qu'il t'a donné. Ah, moi, mes seins là, oh, moi, je n'aime pas ça. Tu mets le truc dedans, ça fait tiens. Ah, moi, mon nez là, je n'aime pas ça. Tu vas te refaire. C'est une insulte. Surtout les filles qui se décapent, c'est une insulte. Les panafricanistes, levez-vous pour combattre cela. Regardez le Rwanda et le Congo. Les Congolais disent que c'est les Rwandais qui les attaquent. Écoutez très bien ce que je vous dis. C'est ce que les Rwandais disent. Le Rwanda peut étouffer le Congo. Le Congo fait à peu près entre 3 fois et 4 fois la dimension de la France. Sans oublier tous les grands hommes et les hommes intelligents qui sont au Congo. Mais c'est quoi la différence entre le Congo et le Rwanda? Le Congo, ils aiment les produits éclaircissants. Ils aiment danser. Ils aiment s'amuser. Les Rwandais, c'est interdit les produits éclaircissants. Le colonel, si vous regardez cette vidéo, vous êtes très noir de peau. Votre femme, elle est blanche. Donc, vous savez les dégâts des produits éclaircissants sur la peau. Mettez ça dans votre programme. Les partis politiques, je vous interpelle. Si vous jouez avec tout ce que Allah n'aime pas ou qu'il aime, vous jouez avec cela. Nous aussi, nous vous attendons dans les urnes. Nous aussi, nous allons vous montrer que les femmes en hijab et en hijab, là, nos prières, que ça donne quelque chose. Inch'Allah. Donc, Simanteri Samata, c'est ça. Donc, c'est ça la vérité. Vous qui avez les femmes qui mettaient les produits, il faut les assister. Que ma chérie, je t'aime avec ton teint naturel. C'est ce que Allah t'a donné. Les marabouts qui vous disent il faut prendre une femme teint clair, c'est faux. C'est les chayatines qui leur donnent des messages. C'est faux. C'est les chayatines qui veulent que leur message passe. Mais toi-même, tu sais que ce n'est pas son teint. Toi-même, tu vas épouser une femme le jour du mariage brésilien. Ça vient jusqu'aux fesses. C'est une insulte à cet homme-là. Quel homme a refusé le jour de son mariage sa femme parce qu'elle n'est pas naturelle? Qui l'a déjà fait? Personne. Donc vous allez dire après que vous êtes des musulmans. Vous allez aller à la mosquée avec cet accoutrement sale. La femme là va s'asseoir là. Hey, on va laisser comme ça. Donc je vous dis merci. Allah wumba sentane mou sentane tuyi. Allah mire ba mire fanye ba sentane ira. Nere na insiste fe sentane fe kou. Sentane ra ouka na ouma. Nere birin na serre ba fe na wadi ra ba fe. Dunia wongwany. Al-Qudine l'islam a rétrogradé. Allah wumba sentane et Allah wotaka. Wana insiste. Iblisness, c'est pourquoi les sataniques, les iblistiques, ils mentent énormément. Ils passent tout leur temps à mentir. Comme les filles qui sont trop sophistiquées, ce n'est pas elles qui parlent. Pour lui, nous avons fossile à nous brésiliennes. Ce n'est pas elles qui parlent. C'est les accessoires en elles qui parlent. Ce n'est pas leur vraie nature. Elles sont en train de jouer un rôle. Les hommes aussi qui ont les cheveux bizarres, là, les coiffures bizarres, ta tête même est attaquée. Ce que tu dis, ce n'est pas la vérité, c'est faux. On vous comprend. Mais si vous voulez venir sur notre terrain pour salir notre terrain, nous allons vous mettre le feu. Là où on doit mettre, vous brûler, vous anéantir et quitter sur notre route. Parce que nous sommes rendus compte aujourd'hui pourquoi nous sommes créés. Tu es créé pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Point final. Tout le reste là est venu agrémenter cela. Mais si tu n'as pas compris ça, ça veut dire que toutes les missions de la vie, tu vas tout échouer. Tu échoueras tout parce que la première mission, tu l'as échouée. Voilà, quand on voit des familles comme ça là, en Guinée, à côté d'une cimenterie. Ils sont même pas loin, très loin de l'usine. Même le directeur de l'usine peut les prendre en charge. C'est-à-dire signer un truc avec l'usine. Même si on les fait déménager, que nous on s'occupe des gens là. On s'occupe des cas comme ça. Mais il n'y a pas ça. Il faut appeler les SOS à chaque fois. Quand on appelle les SOS, comme ça, ce n'est pas les griots qui parlent de vous. Comme on ne va pas citer votre nom, que oh, tel m'a donné, si tel m'a donné, ça vous n'allez pas le faire. Et vous le faites pour Allah, faites comme si c'est la zakat. Et n'oubliez pas le jeûne de jeudi. Inch'Allah, rajoutez les 3 jours. Yaya, je compte sur toi ainsi, tu es en bonne santé, longue vie à toi. Et merci à tout le monde, vous tous qui êtes là. Vous êtes 242, c'est déjà ça. 245, ça peut nous faire 245 partages. J'espère, hein. J'ose espérer, hein. J'ose espérer. Hein. Ça m'étonnerait très fort. 250, on est en train de monter. Ils sont descendus encore à 240. Oh, c'est elle. Oh, Aïlba. Oh, la dame, là, elle nous fatigue même avec sa grosse robe, là. Le jour que je vais venir ici avec mes fossiles qui sortent de l'écran là-bas avec mes cheveux, on dirait des folles. Je dis, mais vous ne vous rendez pas compte que c'est le serpent qui est sur votre tête. Alors, la brésilienne, ma fille, nous sommes bida, belle, belle, la one, na, yamama. Alors, la fossile, fin, tinera, oya, et ma mini, qui, piou, yamata, qui.
Ala ka bo ma se ni wora slipe ku wona do ko dede. Parce que wota mo ma sa rafi. Amini na won won son wara ke wete kam me ka la dable la quoi. Oui, c'est qui est rentré, c'est ce qui est en train de sortir. Donc merci à tout le monde. Alors, il faut vraiment rire. C'est risible, n'est-ce pas? Alors, on bille Malia, on bille Kanta, on Natanga, on Sutra. Donc, ceux qui connaissent quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, le premier ministre, le colonel et les bonnes volontés et les ONG. J'ai oublié, ils avaient cité M. Lamine Guirassy, la personne qui m'a envoyé la vidéo la première fois, m'avait parlé de ça, qu'il essaye de le contacter, voilà. Parce qu'ils sont passés par plusieurs personnes. Il paraît que M. Lamine Guirassy est très, très généreux. Donc, si vous pouvez lui envoyer la vidéo ou lui envoyer leur Orange Money, eux-mêmes, ils vont se débrouiller entre eux là-bas. parce qu'ils sont ensemble en Guinée là-bas, Inch'Allah. À bientôt. Merci à tout le monde. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous guide, qu'il vous bénisse, parce que c'est le meilleur des guides. Qu'il fasse de vous, qu'il vous mette sur le chemin de notre prophète bien-aimé, paix et salut sur lui, parce que c'est le meilleur des exemples. Voilà, il n'est pas le meilleur des exemples qu'en polygamie. Hein. Donc, si vous ne vous intéressez pas à l'islam et au hadith, comment vous allez savoir cette histoire de polygamie-là, si c'est une obligation? Non, ce n'est pas une obligation. Et pourquoi notre bien-aimé prophète, paix et salut sur lui, avait beaucoup de femmes déjà? C'était plutôt social, c'est-à-dire il voulait aider. Au lieu qu'elles soient débauchées, il les récupérait. Ça n'avait rien de sexuel, non. Tandis que nous, chez nous, là, on sait ce que c'est. Donc, ça, là, ils ne veulent pas qu'on le comprenne. Ils ne veulent pas qu'on comprenne cela. Et vous aussi, vous êtes là seulement, la bouche ouverte, avec vos fêtes, vos danses, vos mèches, vous aussi, vous ça, des choses qui n'ont aucune importance. Les gens vont me dire, oui, nous, on a le temps de changer, de toutes les façons, nous sommes jeunes et tout. Les gens disent que, mais, est-ce qu'un jeune ne meurt pas? Non, moi, je ne dis pas que si un jeune ne meurt pas. Je dis que le jeune, si ce n'est pas Allah qui l'a créé, c'est Allah qui t'a créé, avec tes cheveux touffus là. Le bébé, c'est Allah qui l'a créé. Ce n'est pas une question qu'il aura le temps de changer. Non. Voilà. Moi, je suis une privilégiée. Je m'en vante. Ce n'est pas modeste. Ça, c'est moi. C'est un privilège. Parce qu'il sait que je suis quelqu'un de bien. Au fond de moi, je suis quelqu'un de bien. Mashallah, c'est ce qu'il a voulu. Abibatou, merci ma chérie. Merci à tout le monde. Oumou, salamata, merci. L'autre va dire que je n'ai pas dit son nom. Ibro Silla, on a dit, ça va? Bonsoir, bonsoir. Ibro Silla, il faut faire Orange Money. Hein? Abiba Touba, il faut faire Orange Money. Hein? Oum, oum quoi? Oumba, oumba. Oumba, ça veut dire quoi ça? Oumba, il ne faut pas oublier Orange Money. Il ne faut pas oublier la famille. Ostera yoba fe. La Guinée est fait, la Guinée est régulée en Sintane, la Guinée est régulée en Sintane, la Guinée est Sintane, la Guinée est régulée en Sintane, la Guinée est régulée en Sintane, la Guinée est régulée en Mali, la Guinée est régulée en Mali, la Guinée est régulée en Mali, la Guinée est régulée la Guinée est régulée en Kima, la Guinée est régulée en Beba, la Guinée est régulée en Naki, la Guinée est régulée en Tongo, la Guinée est régulée en Sintane, la Guinée est régulée en Sintane, la Guinée est régulée en Sintane,